Je m'appelle Tidiane Diouara, je suis le président du FEL, Forum des étrangères et étrangers de Lausanne, qui s'occupe en fait de l'intégration des étrangers à Lausanne. Aujourd'hui, c'est la journée des réfugiés parce qu'on pense que c'est important de célébrer cette journée. Il y a beaucoup de réfugiés dans le monde, partout, et en Suisse, il y en a aussi quelques-uns. Donc chaque année, depuis 5 ans, on célèbre cette journée. On invite plein de groupes qui viennent faire de la musique, qui viennent chanter. Donc c'est plutôt festif hein, comme ambiance. Et le but, c'est de rapprocher les Suisses des étrangers, des immigrés, des réfugiés. Et donc de briser les barrières et que tout se passe bien, que la fête soit belle en fait. Et cette année, on a fait une collaboration avec le CSIR, qui est le centre social d'intégration des réfugiés. C'est un service du canton de Vaud. Donc ils nous ont demandé de collaborer avec nous pour faire cette fête ensemble. Donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de choses. Alors on a commencé très tôt à 9h et puis on va finir vers 1h du matin. Et vous le savez, le slogan de cette journée, c'est « Réussir ensemble ». Avec un accent tout particulier mis sur l'accès au marché du travail qui est plus difficile pour certains que pour d'autres, vous le savez. Et il y en a des préjugés qu'il faut combattre régulièrement, tous les jours, toutes les semaines. Par exemple, on nous dit souvent, mais l'Europe, la Suisse est envahie de réfugiés. C'est faux, c'est faux. 80% des réfugiés restent dans leur pays, dans leurs contraintes, dans la région d'origine. C'est faux, il faut combattre ça, même si des gens l'entretiennent. Tout va en haut.
Chaque année, ça se passe ici, à Lausanne, au centre-ville, à la place de l'Europe. Donc on a trouvé que c'était un endroit qui était bien fréquenté, qui est bien placé. Et les gens y viennent avec beaucoup de plaisir. Donc on espère continuer encore pendant beaucoup d'années.